moi Gali Berda qui pleure sur BFM. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2, on va regarder une story. Voilà, à propos de Booba qui va tacler Magali Berda, et après la vidéo, je vous dirai mon avis sur Magali sur BFM. Tu vois Magali, je ne veux pas créer du tort tout de suite. Mais au début, quand j'ai commencé à t'attaquer, tout le monde me disait, ah, elle est intouchable, c'est la papesse, elle connaît un tel, elle a trop de contacts, ah non, blablabla. Bla, bla. Et je vais te faire, voilà, je vais te faire. Magali Berda qui pleure sur BFM TV. Ce que t'as pas compris Magali, c'est que tu peux mentir tant que tu veux pendant des années, nous on a les faits. Tu vas bientôt couler, tu dois 2 millions, et ça c'est rien par rapport à ce qui arrive. Tu sais que t'es coupable, tu parles jamais de ton escroquerie 2019. T'as escroqué un vieux de un centenaire avec Alzheimer avec ta mère. Booba envoie sa meute, tu peux rien poster qui peut prouver ça. Moi j'en vois personne. On te dénonce, on te démasque parce que t'es un démon et les gens font leur boulot derrière. Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi je menace personne de mort, j'en vois personne. Maintenant ils sont à tes trousses, c'est ton problème. Plaire, ça fait du bien. Magali Berda qui pleure sur BFM TV. Donc voilà, c'était la story de Booba. Booba qui n'arrête pas en ce moment sur Magali Berda. Je ne sais pas si les juges vont l'entendre de la même manière. Voilà, parce qu'ils peuvent considérer que c'est une incitation à la haine. Donc Magali Berda qui était passée sur BFM TV. Je ne peux pas vous passer d'extrait malheureusement. Je ne vais pas prendre le risque. Donc, elle est passée sur BFM TV. Bon, rien de spécial du peu que j'ai entendu. C'est un peu, voilà, c'est un peu la même chanson. Elle pleure. Elle a été menacée de mort, de viol, de ceci, de cela. De ceci, de cela. Donc, je vais vous montrer. Donc, ouais, quand on regarde comme ça, vite fait. Quand on regarde, quand on remonte un peu. Voilà, on était là. Je suis descendu trop bas. Voilà le BFM TV. Voilà BFM TV, quand elle est passée. Voilà Magali Berda, à propos d'une ancienne histoire. Et il déterre beaucoup de trucs d'avant, des stories d'avant, tout ça. Il déterre beaucoup de choses. 2017, 2018, 2019. Il déterre des petits trucs, des petits pics, mais bon, c'est à la justice de faire son boulot. Si elle est malhonnête, elle sera jugée dans un tribunal et pas. Voilà, pas menacé de mort, des trucs comme ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, c'était la story. Donc ça continue, voilà. On va voir. On sait que la justice elle met beaucoup de temps, mais voilà, moi je serais à la place de Booba, je serais vraiment pas rassuré. Je serais vraiment pas rassuré. Je serais vraiment pas du tout rassuré, voilà. Que le harcèlement, c'est la définition du harcèlement, c'est un acte répétitif qui met une personne dans une mauvaise santé psychologique, voilà, qui met quelqu'un dans une mauvaise santé. C'est des actes répétés, on va dire, c'est répété. Et le harcèlement, le cyberharcèlement en meute aussi, c'est quelque chose qui existe. Le cyberharcèlement en meute, en cas d'appel à la haine, tout ça, voilà. Voilà, donc je pense que les avocats des deux côtés doivent faire un gros boulot, je pense. Je pense avant les futures confrontations, je pense. Donc, après, il peut tout... Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Tchuss.